Allah, ce n'est pas du fulfulde, plutôt c'est de l'arabe. Derɗiraɓe am, bandiraɓe am, sakiraɓe am, rewɓe e worɓe, on jaɓɓama ha nder suudu jangin fulfulde. La famille, la communauté, les amis, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Fulfulde Classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on apprend le fulfulde. Ici, on apprend l'histoire de nos pères, le but étant donc de sortir de l'acculturation. Si toi également tu veux faire partie de cette belle aventure, tu n'as qu'à faire deux choses. Clique le bouton s'abonner et clique sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Après 3 jours, c'est un nouveau concept que tu apprends en fulfulde, c'est ton vocabulaire que tu augmentes en fulfulde, c'est tes prononciations que tu améliores en fulfulde et aussi, c'est une histoire, une technique ou une méthode d'apprentissage des langues, n'importe laquelle ça marche, puisque ce sont des méthodes révolutionnaires. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de l'expression correcte du mot Dieu en fulfulde. Allah ne veut pas dire Dieu en fulfulde. De te dire l'orthographe correcte de ce mot en fulfulde. C'est tout de suite et c'est uniquement ici, sur Fulfulde Classe. Bonjour les amis, bonjour la famille. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir pour moi, un énorme plaisir de vous avoir. À vous les nouveaux, bienvenue. Installez-vous confortablement, vous ne serez pas déçus. Entrons donc rapidement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit précédemment dans les propos introductifs, Allah, ce n'est pas du fulfulde, plutôt c'est de l'arabe. Comme vous pouvez le savoir, beaucoup de mots en fulfulde ont été empruntés de l'arabe. Nous devons ceci à ce passé colonial. Oui, à ce passé colonial. Les colons Adama, celui à qui nous devons le nom Adamawa, a conquéri cette partie, l'Adamawa, que ce soit l'Adamawa du Nigeria ou du Cameroun, ce qui lui a valu, ce qui a valu à cette partie, à cette région bien spécifique de l'Afrique, l'Adamawa. Cet homme donc est venu avec l'islam. Et l'islam, c'est une religion qui a ses fondements en Arabie Saoudite, donc l'arabe, la langue arabe. Comme j'ai l'habitude de vous dire ici sur Fulfulde Classe, la langue n'est pas qu'un tas de mots, mais un transmetteur de civilisation. Ça se répercute aujourd'hui dans le fulfulde. On a beaucoup de mots empruntés de l'arabe en fulfulde. Allah, ce n'est pas du fulfulde, mais plutôt de l'arabe. Comment est-ce qu'on dit Dieu en fulfulde? C'est simple. Dieu en fulfulde, c'est Guéno. Oui, Guéno. Vous êtes surpris parce que je sais que c'est la première fois que vous entendez cette expression. Dieu en fulfulde, c'est Guéno. Je vais en prendre une phrase où on va essayer de décortiquer. Généralement, on entend Miyela Nakion, Mugal Khairuji. Mi, Yela Nakion, Mugal Khairuji. Et là encore, c'est l'arabe. En fulfulde, il est mieux de dire mi yelanakion moye geno. Vous allez me dire, je ne comprends pas, tu nous as dit geno c'est Dieu, et maintenant ici tu viens remplacer geno par haïru. Oui, un mot n'a de sens que dans le contexte dans lequel il est utilisé. Donc quand je dis mi yelanakion moye geno, c'est pour dire je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, de divin, la barakat en fait. C'est de ça qu'il est question. Dites-moi donc rapidement dans les commentaires comment est-ce qu'on dit Dieu en fulfulde. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir. Un énorme plaisir d'ailleurs. Fulfulde Classe, Dadi Amidin, c'est yes.